Laughter life. C'était bien avant notre époque, quand on faisait encore de vrais enterrements. Laughter life. Ah, le videur. Et... On a des amis de Dexter de Shaun. Il nous attend. Feeling tired? Hey Dex, j'ai deux copains qui me disent qu'ils ont rendez-vous avec toi. Ouais? Ok. Il dit qu'il sera dispo dans une minute. Allez vous prendre un verre. Et un grand merci à Anglais Project. Oui, merci d'être là, Anglais Project. Merci beaucoup. Oh, ça y est, on est en boîte, les gars. Le cœur de Night City. T'imagines un peu, Suzanne Forrest, Boa Boa, peut-être même Morgan Blackhand. Qu'est-ce que je vous sers? Alors, je choisis pour moi. Allez, vas-y, on va se boire un petit verre, les gars, c'est la teuf. Comment je fais pour avoir un cocktail à mon nom? Si je voulais avoir un cocktail à mon nom, il faudrait que je fasse quoi? Te faire buter. Et de façon spectaculaire. En pleine OP, ce serait parfait. Ah, j'adore cette tradition. Au futur millionnaire, les gars. Au futur millionnaire. Et au futur légende millionnaire. Dex, c'est un habitué? Il vient souvent? Il avait un peu disparu de la circulation. Il n'a pas pointé son nez ici pendant presque 2 ans. Un fauve doit suivre sa propre voie, non? Je crois... Allez, on se lève. Merci. Allez, on va rencontrer Dex. Ouais, merci le garde du corps de m'avoir déposé. T'es bien brave. Oui, oui, je me souviens, Mdrez. Alors, il est où? Il est dans son bureau? Allez, on va poser le flathead. Bon, allez. Posez vos culs confortablement. Cool pour ton aide dans la planque de désosseur. Quelques charognards de moi. La ville s'en portera pas plus mal. Ah ben, ça me fait plaisir. Il devrait carrément nous remercier. Comment ça s'est passé avec Evelyn Parker? Plutôt bien, je dirais. J'ai visité l'intérieur du Konpeki Plaza grâce à la déesse brute qu'elle a tournée. Mais si on parlait plutôt du plan, vous avez prévu quoi, Dex? Ça... Dex et moi, on a déjà planifié tous les détails. Cette opération devrait être une vraie balade. Évidemment, tout doit se faire discrètement. Et dans l'idéal, sans semer de cadavres. Je crois que j'ai tout compris. Parfait. J'ai une question, moi. Quand est-ce qu'on parle de ce qui nous intéresse vraiment? Pour les nouveaux, la part est toujours la même et non négociable. 30%. 30? Sérieux? Tout le monde prend des risques dans cette histoire. C'est ce que valent les vôtres, d'après moi. Une dernière chose, le Konpeki a une politique anti-armes très stricte, portail de sécurité et tout tralala. Alors vous laisserez vos cracheurs dans la caisse et vous entrerez avec une flamette dans sa mère. Votre carrosse vous attend dehors. Go pour la mission, le casse du siècle. On va me connecter histoire d'être prête quand vous me contacterez. En route, ça sert à rien d'attendre. Pas des triches. Une de la main vous déposera devant le Konpeki Plaza. Vous entrerez tranquillement. Allez, grâce à vos fausses identités. On y va. On est devant Bug. Bienvenue au Konpeki Plaza. Veuillez former une file, s'il vous plaît. Ça marche, mon pote. Monsieur. Un instant, je vous prie. J'ai quelque chose. Monsieur, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous apportez un bot de combat dans les locaux du Konpeki Plaza? Ah, vous avez rendez-vous avec Taki-san, c'est ça? Je vous présente mes plus plates excuses pour cette erreur. Alors, la chambre. Chambre 42, très bien. On est dans notre chambre. Plutôt classieux. Dommage qu'on reste pas dormir. C'est la classe. Je l'ai pas choisi pour sa classe. Elle offre l'accès le plus rapide aux résidents et aux serveurs. Ah, je crois qu'on a trouvé le conduit d'aération, les gars. Jackie, où on a le flathead? Il est en place. Ah, il est prêt.
Le Flathead est prêt, il s'est mis en camouflage optique. Et il va aller chercher l'objet qu'on est venu voler dans la chambre de Yorinoru, je crois. Merde, fais chier, il est coincé. Tiens, c'est parti. Là, je change de caméra, il devrait arriver ici. Ah, c'est exactement ça. V, connecte le Flathead au fauteuil. Il lui fait une alien. On l'a eu. J'adore ces démons. Le Flathead reste là, hein. Ouais, pour surveiller le résident. J'entre dans le réseau principal du cône Peki. Tu peux te déconnecter. Ah, c'est angoissant ce silence. Hé, hey, vous voulez en entendre une bien bonne? Maintenant? Sérieux? Ok. Alors vous savez ce que c'est, le cri du cybercochon? Groum, 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 groum. Putain, achevez-moi. Putain, achevez-moi. C'est pas mal d'être l'héritier de l'Empire Arasaka. En tout cas, c'est mieux que d'être le fils de Raoul Wells. On se magne, je me dépêche. J'ai perdu le signal de Yorinoku. Merde, c'est un putain de sorcier ou quoi? Il doit être dans un angle mort, je le récupérerai dans quelques secondes. Faites votre boulot, là, sous le plancher. Parfait, apparemment on a réussi. Maintenant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À quoi de jouer, Bug? Deux secondes. Oh putain, on est cramé. Bug. Je sais pas qui c'est, mais le personnel s'agite. 200 employés, ça court de partout. J'aime pas trop ça. Allez, vite, 60%. T'as bientôt fini, T. Merde, Yorinoku va vers le penthouse. On s'en fout. Ouvre le coffre. J'y suis presque. Voilà. Frenios. Ok, y'a quoi là-dedans? La relique est... Allez, serre-toi. Vite. Intégrité du bio-éclat, 100%. Ça doit vouloir dire oui. Merde, trop tard. Yorinoku va entrer. Planquez-vous. Où? La grosse colonne, là. C'est une blague ou quoi? Non, entrez dedans, vite. Vite, la grosse colonne. On peut tout voir en plus. Très bien. Mais ça résout pas notre problème, T. Possible. C'est pas Adam Smasher. Un garde du corps. Pire. Une légende de Night City. Et plutôt du genre trash. On la joue comment? On attend. L'empereur est là. Oh là là, il va le tuer. Alors le vieux voulait tuer le jeune, mais au final c'est le jeune qui a tué le vieux. Ça va pas le faire. Et c'est nous qu'allons être accusés. Si
on se fait cramer, on est accusé, c'est sûr. Hein. Bug, faut que tu nous sortes de là, et vite! Juste une seconde! On n'a pas une seconde! Merde! Ok, j'ai trouvé. Ça pour voir, la tête, vite! J'en étais sûr que ça serait par là. Je la déverrouille. Vous devriez voir une échelle. Échelle? Oh merde! Non, 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 pas maintenant! Ils l'ont trouvé! Bug! Oh putain de merde! Ils l'ont trouvé, ça y est, ça commence à partir en couille. La cour des grands, putain! Tu prends ton pied là, Jackie! Regarde pas en bas, c'est tout. Un courageux, hein. C'est sacrément, on empêche! Merde! C'est la trauma! S'ils viennent pour ça, bourreau, c'est trop tard. Putain, j'espère qu'ils nous ont pas vus! Ils nous ont pas cramés, ça va. Si, eux, ils vont nous cramer. Oh putain de merde. Oh merde. Ah, c'était chaud. La relique. Bon, un de nous doit s'y coller. La caméra désactivée. On est bon. Oui, oui, c'est bon, on monte, on monte. Mais commence à être de plus en plus fatigué quand même. On fonce. Cible blessée. De la veille, bourre. On va en avoir si tu fonces pas vite fait. Pas mal. Commentaire client noté. La caisse est dans quel état? En excellent état. Mais nous sommes poursuivis. Dans le veuillez rester calme. Oh putain, c'est lui. Oh, c'est le bordel. Oh là là, j'ai plus mon arme. Parfait. On a réussi, Jackie, putain, on a réussi! Diagnostic médical indique que Monsieur Wells est dans un état critique. Oh putain! Le charcutoc de suite. Continue, je suis un charcutoc, maintenant! Toutes mes excuses, ce ne sera pas possible. Notre itinéraire a été prédéfini et payé d'avance. Aussi n'ai-je pas la liberté de le modifier. Rien à foutre! Fais ce que je te dis! C'est bon, V. Je tiendrai le coup. Je vous conseille de garder Monsieur Wells conscient. Ça va aller. Tu vas revoir Misty, ta mère, tous les gens que t'aimes. Jackie, garde les yeux ouverts. Ah. Misty, elle savait. Elle sait toujours. Ah putain, il va y passer. La biopuce. Prends-en soin.
la sentais mal cette histoire. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Chambre 204. Laisse-moi entrer. Il t'attend. WNS, N54, même les réseaux pirates. Tout le monde parle de vous deux. Et l'ami Jack, alors? Il est dans la voiture? Ouais, il y est. Mort. Mes condoléances. Et la relique? Je l'ai juste là. C'est ce que je craignais. Quoi? Saburo Arasaka, il est mort. T'as une idée de la merde dans laquelle tu m'as mis? T'as buté l'empereur! Sa putain de majesté! Tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans cette histoire sont morts! Faut qu'on quitte Night City. Ça, tu peux le dire. Appelez Evelyn. On boucle cette affaire, on empoche notre part et on disparaît des radars. Allez, calme-toi. Va falloir agir avec stratégie. Parker, les Eddie, et après, on quitte cette ville. Mais d'abord, ton visage, il est couvert de sang. T'as une salle de bain, là. Allez, va te rincer un coup. Oh putain, je me suis fait carotter, j'en étais sûr. L'arnaque. On aurait dû le doubler. J'ai pas le choix, V. Tu te souviens de notre première discussion? Je préfère mener une vie paisible, finalement. Dex, vous êtes mort! Pas de mort spectaculaire pour moi. Oh le bâtard!